Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la suite de la carrière manager avec les Spurs de Tottenham. Donc aujourd'hui les potes, on va disputer 3 matchs comme d'habitude. Je ne suis pas en direct, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer en même temps que je parle. Je tourne ma voix, enfin mon commentary en différé, parce qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, eh bien j'avais la voix cassée. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, je tournerai la vidéo en différé. Donc on va jouer contre le Celtic en Ligue des Champions. Après on va jouer contre Chelsea en Première Ligue et on va jouer contre Bournemouth en EFL Cup. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à prononcer le blast de cette équipe. Donc après, comme vous pouvez le voir, je vous montre l'objectif du développement des jeunes. Donc faire signer 2 joueurs avec un potentiel de plus de 75. Enfin bref, donc cet objectif je ne l'oublie pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai que 74 en notes de manager, donc c'est vraiment pas bon. Et d'ici quelques temps, une fois que je vais récupérer un petit peu d'argent, eh bien je vais vraiment m'attaquer à ce fameux objectif. Donc là maintenant je vais un petit peu remanier mon équipe, j'ai envie de vous dire hein, puisque enfin je vais mettre Kane, Harry Kane titulaire. Malheureusement je peux toujours pas mettre Nkoudou titulaire puisqu'il y a quand même Draxler, Isco, Ali et Sissoko qui sont pour moi vraiment hyper bons quoi. Donc forcément j'ai pas envie de mettre Nkoudou, excusez-moi. Et donc on est directement parti pour disputer le premier match de cette vidéo. Bien sûr je joue en alternatif, on joue à l'extérieur contre le Celtic. C'est parti pour les meilleures actions de ce match. Donc là on a une belle construction du Celtic, ça passe juste au-dessus, mais en tout cas c'était une belle frappe à la 15e minute de jeu. Clairement dans ce début de match je vais me faire ultra dominer. Mauvaise relance et regardez cette mine sur le poteau. Là clairement j'ai eu chaud, franchement superbe frappe. Encore une fois là je vais me faire dominer puisqu'ils enchaînent bien les passes et tout ça. Franchement pendant la première mi-temps, mais c'était un truc de ouf. J'ai pas touché un ballon, j'arrivais pas du tout à défendre. En même temps ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas joué sur cette carrière. Voilà ma petite excuse. Et là encore une fois le Celtic tape le poteau. J'ai eu chaud. Et c'est à partir de cette action que je me suis dit, bon allez, il faut que je me réveille. Là j'arrive à faire un bon 1-2 entre Onoma et Nkoudou. Nkoudou prend son côté, donc bien sûr je suis avec l'équipe 2. Il prend bien son côté, je joue dans l'axe pour Johnson. J'essaye de trouver une solution, j'en ai pas. J'arrive à me retourner, je tire. Et voilà, 1-0, petit but comme ça. J'ai envie de dire assez facile, puisque bon, clairement j'avais l'impression de ne pas être attaqué alors que j'étais tranquille avec le ballon dans la surface. Le défenseur il a rien fait, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas ça fait 1-0. Là maintenant on est parti pour la deuxième période de ce match. Et là vous allez voir vraiment que cette action est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'instant là je garde le ballon. Voilà, ça fait déjà 2 minutes que j'ai la balle. Je pars sur le côté. Voilà, je fais mes passes. J'essaye de sortir de là. J'envoie dans la profondeur Son. Son centre. Johnson il est tout seul. Il place sa tête. Ça fait 2-0. En 3 minutes, le Celtic n'a pas touché un ballon. Et la construction de jeu, enfin de balle, enfin voilà quoi, vous avez compris, merde. Et ben elle est juste parfaite quoi, elle est magnifique, enfin voilà quoi, c'est pas pour me vanter. Mais le but il est quand même plutôt pas mal les potes hein. Bon j'ai quand même un peu de mal à commenter en différé hein. Je préfère quand même le direct et je pense que vous aussi hein. Donc voilà, ça fait 2-0, doublé de Johnson, c'est plutôt pas mal. Donc là on va avoir une attaque du Celtic sur leur côté. Donc là un petit cafouillage après la touche. Après ils enchaînent comme en première mi-temps. Ils enchaînent bien les passes et tout ça, j'arrive pas trop à défendre. Mais la finition c'est pas du tout ça hein, chez le Celtic. Putain c'était compliqué à dire cette phrase. Clairement la finition n'est pas là. Ils font que de la merde, regardez encore une fois cette tête. La finition n'est pas là. Et limite c'est grâce à ça que j'ai remporté ce match. Parce que franchement je mérite pas du tout de remporter ce match. J'ai joué surtout en contre-attaque. Bon j'ai fait 2-3 bonnes phases de jeu. Mais bon sans plus quoi. Donc là comme vous pouvez le voir je pars en contre-attaque. Onoma frappe du gauche. Bon là clairement il fait de la merde. Et après c'est la fin du match. On remporte donc ce match 2-0 à l'extérieur. Ça fait plaisir en Ligue des Champions. Et donc voilà, on va maintenant enchaîner avec le deuxième match. Mais avant ça, regardez les stats. 10 tirs, 1 cadré, 3 tirs, 2 cadrés. J'ai mis 2 buts, 45% de possession. Clairement, clairement c'est de la merde. Voilà, donc là on va avancer directement vers le deuxième match de la vidéo contre Chelsea à l'extérieur encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, Leicester est passé premier du classement. Et à ce moment là je me posais quand même des questions parce que je me disais
putain, mais j'ai pas perdu de match, ça m'étonne quand même et tout ça. Non, j'ai pas perdu de match, mais je trouve qu'à mon goût, je fais un petit peu trop de matchs nuls. Chelsea est troisième, donc là, il va falloir absolument gagner ce deuxième match contre Chelsea. Bon, bien sûr, moi, je connais déjà le résultat, mais bon, je vous en dis pas plus. Mais clairement, à ce moment-là, j'ai un peu bugué. Hein. Quand j'ai vu Leicester premier du classement, j'ai bugué. Donc, on est parti directement. Première action de ce match au quart d'heure de jeu. Je pars sur le côté avec Draxler. Il déborde. La nouvelle recrue du PSG, en vrai, hein, Draxler. Bon, là, je place ma petite tête. Mais bon, c'était pas trop dangereux, quoi. C'était la première action du match. Sissoko qui donne le ballon à Bellerin. Puis Ali. Ali qui va jouer sur Saoul. Là, je construis bien mon attaque. Isco qui a pas trop de solution. Du coup, je tente de tirer. Mais bon, clairement, Je savais que ça allait servir à rien. Donc à ce moment-là, on était quand même à la 56e minute de jeu. Parce qu'il n'y a eu presque aucune action en première période. Bon là, je me foire un petit peu sur ma relance. Derrière, Lloris, il est présent, ça fait plaisir. En seconde mi-temps, vous allez voir qu'il y avait quand même pas mal d'actions. Surtout pour Chelsea aussi. Donc là, 80e minute de jeu, si je peux dire ça comme ça. Très très mauvaise relance de ma part. Et là, ça tape le poteau. C'est contré par l'un de mes défenseurs, Kanté, qui est toujours à Chelsea. Donc comme vous pouvez le voir là, c'était un petit peu plus serré au niveau des stats. J'avais la possession, mais j'avais pas les tirs. Bon ben, on termine ce match sur un match nul, j'ai envie de vous dire. Et regardez, j'ai ma note qui est passée de 74 à 75, ça fait plaisir. Bon, j'ai supprimé les emails puisqu'à chaque fois, on s'en bat totalement les steaks. Et on est parti pour disputer le troisième match de cette vidéo en coupe, en EFL Cup, à domicile cette fois-ci contre Bournemouth. Et là, bah, je vous en dis pas plus, hein, mais bon, pour l'instant, dans ce premier match, j'ai envie de vous dire contre Bournemouth, je vous ai mis seulement les buts. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là voilà, je vais marquer mon petit but avec Johnsen. Encore une fois, il se retourne dans la surface dans le plus grand des calmes. J'ai l'impression que Johnsen, personne ne veut l'attaquer dans la surface. Bon là, j'arrive à récupérer le ballon avec Lamela. Je décide de partir avec Lamela. Voilà, tranquillement, je rentre dans l'axe. Je fais la passe à Son, j'ai vu qu'il est parti. Frappe croisée, ça fait 2-0. Et vous allez me dire, oui mais pourquoi t'as montré que les buts? Eh ben, vous allez voir tout simplement. Je vous en dis pas plus, hein. Je sais pas pourquoi, mais dans cette vidéo, en différé là, à chaque fois je dis toujours, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bizarre, mais bon, heureusement qu'en direct je le dis pas, parce que bon, c'est casse-couille quoi. Enfin bref, et donc là voilà, je remporte ce match 2-0, tranquillement, donc là je me dis, oh yes, c'est parfait, je vais jouer les demi-finales, voilà, c'est bon, on est bon, j'ai gagné le troisième match de cette vidéo, mais, vous allez voir qu'à ce moment-là, ah bah voilà, gros bug, tout simplement, le gros bug, je reste fixé sur cet écran, voilà, avec cette flèche en bas de l'écran qui m'a fait péter un plomb, et pendant 10 minutes, un quart d'heure j'ai attendu, voire même 20 minutes, en attendant j'ai regardé des vidéos de d'autres youtubeurs, tu sais, et je pensais que ça allait se débloquer, mais non, pas du tout, du coup j'ai quitté le jeu, je l'ai rallumé, et on est reparti pour disputer le deuxième match contre Bournemouth. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que c'était le premier match contre Bournemouth, et là le deuxième match contre cette équipe. Ouais, je vais arrêter de dire le blast de cette équipe parce que j'arrive jamais. Enfin bref, donc là cette fois-ci je vais vous montrer bien sûr toutes les actions. Bon, en première mi-temps il n'y a eu aucune action, clairement aucune action, mais en deuxième mi-temps je me suis dit, allez, je vais accélérer, je vais faire des 1-2, je vais combiner tout ça, je vais faire un gros pressing, du coup ils vont plus pouvoir sortir. Et vous allez voir que je les ai bien dominés. Déjà j'arrive à récupérer le ballon assez haut. Et puis après Johnsen dans la surface. Voilà, il fait le taf, superbe contrôle, superbe passe aussi, hein. Et donc voilà, Johnsen qui marque encore une fois son but. Il est vraiment décisif. Là pour l'instant il a vu que Kane est revenu. Il a vu qu'il commence à être sur le banc. Et il a vu qu'il commençait à être en équipe 2. Il s'est dit, allez là, ça serait bien que je passe la seconde. Et ça serait bien que je marque beaucoup de buts. Et voilà, il en a mis 3 déjà dans cette vidéo. Bon là je me foire totalement en défense. Mais encore une fois, Lloris il est présent dans cette vidéo. Franchement il a été... Non. Cette fois-ci c'était Vamp, pardon. En tout cas dans cette vidéo mes gardiens ont été quand même assez bons je trouve. Bon là j'avais pas trop de solution avec Son. Du coup je décide de passer la balle à Onoma. Johnsen qui frappe. C'était presque exactement le même angle. Le même angle du premier but, j'ai envie de vous dire. Là je fais la passe encore une fois à Lamela. Et là aussi c'était presque le même angle que le premier but. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que de ce côté là les défenseurs ils faisaient rien. Donc là encore une fois mon gros pressing paye. J'arrive à récupérer le ballon. Je donne le ballon à Son. Son qui fait le petit dribble. Je fais la passe en retrait à Johnsen. Et Johnsen qui va marquer.
encore une fois un doublé, quatrième but déjà dans cette vidéo, sachant qu'il a joué que deux matchs seulement dans cette vidéo. Donc franchement c'est un truc de ouf, Johnsen, il m'a fait une putain de vidéo, il m'a fait vraiment des gros matchs. Et puis seul le taf qu'il fait, oh là là, le petit crochet et tout ça, enfin bref, c'est parfait. Bon après bien sûr c'est un but PES, hein, c'est un petit peu dégueulasse. Mais dans cette seconde mi-temps j'ai quand même bien accéléré et à la 75e minute de jeu ça fait 2-0 quand même. Bon après Johnsen voilà, c'était pas non plus très très compliqué de marquer ce but. Cette fois-ci attaque pour Bournemouth et ça flirte avec le poteau quand même cette frappe, voilà, mais bon, voir, ça va, il était encore là, on l'a vu. La long LB grec de l'autre côté, bien dégueulasse. J'envoie Son dans la profondeur. Son qui tente la frappe croisée, enfin le petit placé. Et malheureusement, mais il se loupe. Hein. Là, encore une fois, je récupère le ballon assez haut avec Zuma qui envoie une Koudou, qui envoie à Ben Davis, Onoma, Johnsen, ça combine bien. De l'autre côté, on a vu Lamela qui accélère, la frappe et ça tape la barre. Et puis après, c'est sur ça que ce match se termine. Bon, cette fois-ci, j'ai bien dominé Bournemouth avec plus de 6 tirs cadrés. Enfin, voilà, quoi, 2-0. Bon, bien sûr, comme d'hab, les mails, ça dégage. Toujours ma note de 75. Et comme vous pouvez le voir au classement, je suis à égalité avec Leicester. Donc, ce championnat n'est pas du tout terminé. Donc, dans cette vidéo, on a fait une victoire contre le Celtic, 2-0. Après, on a fait un match nul contre Chelsea, 0-0. Et après, on a gagné en coupe. Donc, l'aventure continue en coupe, 2-0. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, malheureusement, Leicester... ah oui, dans la prochaine vidéo, on jouera contre Swansea, Naples et West Ham. Malheureusement, Leicester continue à nous coller au cul, j'ai envie de vous dire, hein, pour ce fameux titre. Et franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, on est pas encore à la fin du championnat. Hein. Peut-être que Leicester va craquer, peut-être que je vais craquer, on sait pas trop. Et puis voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bon, bien sûr, les mails, on s'en bat les steaks. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, sur Snap. Et oui, les potes, maintenant j'ai créé un Snap. Donc voilà. Franchement, ça me fait bizarre de tourner cette vidéo sous un nouveau pseudo, Gilou. Et franchement, je kiffe comment ça rend. Bon, après, le logo, la bannière, j'aime bien, mais sans plus. Mais franchement, j'aime bien le pseudo, comment ça affiche et tout ça. Enfin, je veux dire quoi, c'est plus HD Tour de France / FIFA. Enfin, voilà quoi. Franchement, je préfère ce pseudo-là, excusez-moi. Bref les potes, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!